Bonjour tout le monde. Coucou, comment allez-vous? Un petit live pas prévu aujourd'hui. Ah, oh, mais il y a du monde quand même, génial. Comment allez-vous? J'essaye de synchroniser mes commentaires pour pouvoir vous voir. Je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui me font coucou. J'arrive. Hop, hop, hop. Un petit live qui n'était pas prévu, qui m'est venu en fait ce matin lorsque j'ai reçu... ma boîte donc kit ensoleillé. Alors vous voyez, elle est toujours pas ouverte, hein. Je vais la découvrir en même temps que vous. Alors oui, il y a du monde. Bonjour Catherine, bonjour Nathalie, Inès, coucou Laurence, Pauline, Sophie, Virginie. Oui, un petit live surprise. Alors, dites-moi si vous voyez ou pas, j'ai l'impression d'être un petit peu pixelisée. Si c'est le cas, je vais basculer sur un autre réseau, il n'y a pas de souci, parce que ce serait dommage que vous ne voyez rien sur le kit. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie-Thérèse. Comment allez-vous cet après-midi? Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, un petit live imprévu, simplement, voilà, ça m'est venu comme ça quand j'ai reçu ma boîte. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne le partagerais pas avec tout le monde? C'est vrai que des photos, on ne se rend pas forcément compte en fait de ce qu'il peut y avoir dans le kit. Et je me suis dit, voilà, si je leur montre, ça leur donnera une meilleure idée de ce que ce kit contient et de ce qu'on peut en faire avec. Laurence, elle a triché, oui, Laurence l'a déjà reçue ce matin, donc elle sait déjà ce qu'il y a dedans. Et pas moi, du coup. Du coup, Laurence, hein, pas de problème, si vous voulez commenter dessus, avec grand plaisir. Je pense que c'est le genre de kit, en fait, qui peut être assez sympa. D'abord pour les débutantes, ce que vous allez voir, en fait, il y a plein de propositions de création de cartes. Dans le kit en fait qui est fourni. Donc pour les débutantes, ça peut être l'idéal quand on ne sait pas trop comment faire pour démarrer, pour se faire une petite carte et tout. Donc ça peut être assez sympa. Et puis elle est aussi, le kit aussi, on peut l'adapter avec déjà le matériel qu'on a en stock pour celles qui scrapent déjà depuis un petit peu plus longtemps. Donc du coup, ça peut être sympa. Sophie, l'image est bonne. Coucou Muriel, comment vas-tu? Ok, donc c'est bon, bah c'est super. Et bah écoutez, je vais retourner ma caméra et puis on va découvrir donc ce fameux kit ensemble. Allez. Voilà. Donc quand vous recevez le kit, il se présente comme ceci dans cette boîte. Donc je vais l'ouvrir avec vous. C'est donc la première fois que je découvre la boîte, hein, comme vous. Hop. Donc une jolie boîte cartonnée qui est tout à fait réutilisable ensuite, hein, bien sûr. Hop, bien emballée. Voilà, donc une jolie boîte en carton, toute colorée. Regardez-moi ces couleurs. On peut utiliser à peu près tout dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons un mini encreur noir nu. Ça tombe bien, je l'avais pas celui-ci. Donc voilà, les Stampin' Spot. Vous les avez hein, sur le catalogue. Ceux-là, si vous ne voulez pas investir dans les gros, vous pouvez très bien utiliser les mini. Ça peut être assez pratique. Donc vous voyez, hop, je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Vous avez toujours la référence dessus. J'ai recollé l'étiquette alors qu'elle était décollée. C'est très malin ça. Hop là. Donc voilà, un mini encreur. Parfait. Nous avons ici un set de tampons. Alors, soleil, bonjour, plein d'amour, livraison 2, souris. Un petit quelque chose pour ensoleiller ta journée et évidemment, le contraire aurait été étonnant,
Un magnifique soleil. Laurence, le contenu est tout simplement magnifique. Bah écoutez, oui, effectivement, ça a l'air pas mal. Je le découvre là petit à petit, mais déjà, ça commence déjà à bien me plaire. Donc voilà, déjà avec ça, vous pouvez déjà faire plein de choses. Utilisez déjà le soleil pour faire un fond de carte. Et puis avec ça, il y a le petit bonjour aussi. Beaucoup de choses à faire avec ça. On continue. Alors, le petit mot. Ben oui, forcément. Dedans, hop, les mini-boîtes que l'on peut commander aussi si on veut faire des petits cadeaux en remplissant avec plein de petites surprises dedans. Ok, le papier de soie, évidemment, de la couleur flashy. Hop, ça aussi, hein, le papier de soie, vous pouvez le réutiliser dans des créations. Et hop. Je sors le reste. Si je faisais comme ça, je peinerais moins. Voilà. Ouais. Le papier de soie, il est déjà rien que la couleur, est vraiment super sympa. On peut le réutiliser. Mais pour celles qui aiment bien créer des petites choses, je pense que vous pouvez le garder pour l'utiliser. Alors, c'est parti. Donc vraiment, hein, je découvre tout avec vous en direct. Je n'avais pas vu le contenu de la boîte autrement qu'en photo, hein, comme je voulais partager déjà sur ma page. Voilà, ce sont des kits qui sont toujours très complets. J'avais déjà acheté ce genre de kit avec le kit Salustations citronné. Je pense que vous l'avez vu passer aussi, notamment avec mes marque-pages. J'avais fait un fond de page pour les créer. Il y a vraiment tout dedans en général, hein. Alors, je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre la boîte de côté pour l'instant. Voilà. Alors, on commence par des petits gemmes très colorés à mettre qui brillent hein, vachement sur les petites cartes. Ça peut être super sympa. Comme d'habitude, des mini-dimensionnels. Bah ça vous permet donc de coller toutes les petites choses. Alors, pas les gemmes, hein, mais ce qu'on va voir ensuite en 3D. Ensuite, qu'est-ce que l'on a là? Alors. Sans avoir trop peur de me tromper, j'imagine que ça, ce sont les bases de cartes. Voilà. Que c'est joyeux, ces couleurs tellement gaies. Alors, hop, donc on en a deux comme ceci, vous avez vu. Rien qu'elle toute seule, ça rend quand même super sympa. Donc deux comme ceci, deux dans les tons plus jaunes. Oui, on imagine un petit peu l'aquarelle là. Bonjour Francesca. Donc deux comme ceci, deux avec des tons un petit peu plus orangés. Alors je dis deux, mais oui, je ne les ai pas sortis. Hop. Voilà. Alors, déjà, il y a vraiment de quoi créer des cartes super sympas. Hop. Ensuite, continuons. Ouh là là. Ah oui. Regardez-moi ça. Là, je suis en train de penser à Sophie, qui aime bien ce genre de couleur avec les ananas. Je suis sûre que tu pourrais faire des trucs très sympas. Donc, vous voyez, ça se découpe tout simplement, ça se détache pour pouvoir venir se coller en 3D sur vos cartes. L'ananas, il est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, vous avez plusieurs planches comme ceci, de petites dailles qui se découpent. On en a combien là? 5. Vous avez 5 planches de gros ananas, gros soleil, gros citron. C'est vraiment top. Ensuite, ah ça c'est top aussi. Ça c'est pareil, ça se détache et vous pouvez les coller sur votre carte. Donc le cadre est doré. Et puis on retrouve les citrons et l'ananas en version un peu plus petite. Si vous voyez, je vais vous montrer si j'approche. Vous voyez, le modèle réduit de l'ananas. Ça peut être pas mal aussi. Ok. Ici, nous avons les étiquettes qui sont toutes prêtes avec ce très joli liseré doré autour. Donc là, pour mettre vos sentiments. Justement, hein, les tampons en général s'adaptent parfaitement. Vous voyez, le sourire rentre très bien, plein d'amour. Soleil aussi rentre parfaitement. Un petit quelque chose. Ça rend vraiment nickel. Donc là, vous avez 6, pardon, 10, vous avez ici 11 étiquettes que vous pouvez utiliser donc pour mettre vos sentiments. Ensuite, ah,
Regardez, j'en avais oublié, elle s'était cachée. Vous avez encore deux bases de cartes ici. Qu'est-ce que ça brille avec ce doré? C'est vraiment super sympa. Alors attendez que je fasse le point. Donc en fait, on a bien 8 bases de cartes. Voilà, deux de chaque à chaque fois, de chaque modèle. Plein de couleurs, ça sent bon l'été, ça. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si ça vous plaît. Alors, on continue. Ici, hop, ce sont toujours des petites découpes. Alors, je ne sais pas si vous les verrez bien à l'écran. Là, vous voyez, je vais en décrocher un, hein, vous verrez mieux. Hop. Ah non, c'est un autocollant. Ouais, c'est ça. Ce sont des étiquettes autocollantes. Et donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 autocollants différents. Identiques, pardon, rectangulaires, je voulais dire, pas différents. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez les mettre sur vos cartes hein, pour décorer. Derrière vos étiquettes blanches, par exemple. Hein, mais alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et là, des rectangles un petit peu plus grands, vous voyez, il y en a deux. Et donc, vous avez deux planches comme ça. C'est vraiment très, très joli. Évidemment, qui dit carte, dit forcément enveloppe. Et pour ça, Stampin' Up! Est vraiment super, parce qu'ils nous mettent à chaque fois le nombre d'enveloppes, non seulement adaptées au format des cartes, mais toujours avec une petite décoration dessus. Donc là, je ne sais pas si vous imaginez envoyer une petite carte comme ça, pleine de couleurs avec cette jolie enveloppe. C'est vraiment très sympa. Donc évidemment, 8 cartes, 8 enveloppes. Florence, alors, le kit est à 26 euros. Voilà, vous avez tout le kit pour 26 euros. Hop là. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Toujours des petits gemmes à mettre dessus. Très sympa aussi. Et la petite chose donc, qui nous reste à regarder dans cette boîte, eh bien, c'est le détail. Et ce qui est très pratique dans ce genre de kit, c'est tout simplement que Stampin' Up! Vous donne des exemples pour démarrer. Quand je vous disais tout à l'heure que ça pouvait être intéressant, par exemple, pour les Pauline, très abordable. Oui, oui, c'est vraiment très abordable parce que quand on voit tout ce qu'il y a, on peut faire 8 cartes très complètes, un set de tampons, un mini encreur, des petits dies déjà, 5 planches de dies, etc. Donc, ouais. Honnêtement, on peut faire beaucoup de choses. Et puis en plus, c'est réutilisable. Effectivement, une fois que vous avez fait vos 8 cartes qui sont incluses dans le kit, bon là, c'est fini, c'est terminé. Mais rien ne vous empêche après de réutiliser le set de tampons, par exemple. Hein, et puis de vous inspirer à nouveau en utilisant les tampons. Parce que là, le soleil, par exemple, vous pouvez le tamponner, le coloriser. Donc il y a vraiment... la possibilité de faire autre chose en plus, même si vous avez terminé après votre kit. Et donc, quand je vous disais, donc pour les débutantes qui ne savent pas forcément par où commencer, l'avantage avec ce genre de kit, c'est que vous êtes guidé, tout simplement. Ce petit livret vous propose de plusieurs étapes pour réaliser les cartes avec ce qui est fourni dedans. Donc ça, ça a un côté rassurant, je trouve... ça a un côté rassurant en fait pour les débutantes. Muriel, pour répondre à ta question, oui, en effet, la décoration est la même sur les 8 enveloppes. Oui, c'est bien la même. Donc voilà, donc en fait, vous avez bien le détail pour vous donner des idées. Donc là, ici, vous avez par exemple, ils ont utilisé cette base de cartes là, pliée en deux. Ils ont tamponné donc le soleil ici, donc avec celui-ci, voilà. Ensuite, les petits traits en dessous. Et ensuite, il a été tamponné, hop, alors là c'est en anglais, soleil, ici, sur cette étiquette-là. Je vais la décoller, hop, ouais, c'est très sympa Muriel, je suis très d'accord avec toi. Voilà, donc soleil est tamponné sur cette étiquette-là. Donc vous imaginez, le soleil est tamponné ici, les petits traits que l'on a là, et puis l'étiquette sunshine, donc soleil tamponné ici.
Là, c'est tamponné en noir, rien ne vous empêche de le tamponner d'une autre couleur, puisque je vous l'avais déjà dit à certaines, lorsque vous utilisez par exemple les feutres Stampin' Right, donc ceux qui sont à base d'eau, hein, attention, bien ceux qui sont à base d'eau, comme ici, là j'ai le tarte au potiron, celui-ci est à base d'eau, vous pouvez tamponner directement sur votre tampon. D'accord? Donc si vous n'avez pas les encres, vous pouvez adapter, si vous avez des feutres à eau, vous pouvez coloriser directement votre tampon pour venir ensuite l'appliquer sur votre papier. Ça vous permet d'avoir d'autres couleurs. Ou par exemple de mettre une couleur par lettre. Ça, c'est encore plus gai. Coucou ma Jess. Voilà, donc encore une petite astuce. Voilà, et donc voilà, je continue avec ça. Vous avez plein de propositions pour réaliser ces cartes. Plein de conseils de mise en page. Hop. Et vous avez encore les modèles en couleur ici. Vous voyez, donc ça, c'est la carte dont je vous parlais. Donc cette base-là, le petit soleil, les petits traits, le petit autocollant du rectangle noir et l'étiquette. Voilà. Donc vous voyez encore un kit très, très, très complet pour pouvoir réaliser tout un tas de petites cartes. Et bien voilà. Oui, c'est super sympa, hein, Marie-Thérèse. Et vous voyez, je suis en train de penser, je vais voir si je peux l'attraper rapidement. Je vous avais parlé donc du kit salutation citronnée, donc qui est toujours dans le catalogue. Je vais vous montrer comme ça, dans le bon sens. Il est où le bon sens? Là. Donc, dans ce kit salutation citronnée, vous aviez déjà des agrumes et puis des petits messages très sympas. Vous pouvez très bien le combiner aussi avec ça. Le principe est le même, hein, du kit salutation très citronné. Vous avez des bases de cartes, vous avez des étiquettes prédécoupées, vous avez des die-cuts comme ceci, le set de tampons, une encre. Jess, tu fais les courses en même temps? Pas mal, c'est vrai, t'as raison, tu vas moins t'ennuyer. Par contre, tu risques d'oublier des trucs, j'espère que t'as fait une liste, hein. Donc voilà, vous pouvez combiner ces deux kits. En fait, ça vous permet d'avoir encore plus d'idées. Et c'est toujours, voilà, les citrons, les agrumes. Donc on est toujours dans le même thème. Donc rien ne vous empêche de les coupler ensemble. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, je vais me lancer, je pense, dans la réalisation de ces petites cartes. Alors la question est de savoir est-ce que vous voulez que j'en fasse une en live ou est-ce que je vous les poste après? Dites-moi, est-ce que vous voulez voir, est-ce que vous voulez qu'on en réalise au moins une ensemble pour que vous puissiez vous faire une idée? Est-ce que ça vous dit? Hop. Par exemple, je pourrais donc réaliser celle avec l'ananas, par exemple. Est-ce que hop, de là, est-ce que ça vous tente? Pouf pouf. Alors, allez, on va en faire une petite. Hein, mais juste pour vous montrer comme ça rapidement, parce que de toute façon, vous verrez, vous avez tout, tout, tout expliqué. Pauline, oui, j'ai un petit peu de temps, donc il n'y a pas de souci. Alors, on y va. On va réaliser juste la petite carte avec l'ananas pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je prends mon matériel qui est là. Hop! Bisous, ma Jess. Oui, vaut mieux que t'arrêtes, sinon tu vas oublier ce que tu prends pour tes courses. Alors, je prends la base de cartes. Hop, je viens marquer le pli qui est déjà prévu. Voilà. Vous allez voir, hein, c'est vraiment tout simple, tout simple. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais simplement suivre, hein, exactement le modèle pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est simple. OK? Alors, ensuite. Ils nous mettent le gros ananas qui est ici. Ah non, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-ci. Il est quand même extraordinaire. Hein. Vous allez voir par rapport à la carte. Hop. Pouf. Ah bah j'en ai détaché deux en même temps. Donc c'est pas grave, ce sera pour plus tard. L'ananas. Ensuite, nous avons l'étiquette. Ici. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous aurons besoin des petits gemmes qui sont ici. Je vais déjà les sortir. On a tout sous la main.
Vraiment de quoi s'éclater. Et ensuite, le 7. Ici, avec écrit plein d'amour. Que du bonheur de recevoir ce genre de petites cartes. Hop. Alors, je ne vais pas me servir tout de suite de mon petit Stampin' Pot, mais je pourrais. Oh, si, allez. On a dit qu'on utilisait tout. Alors, c'est parti. Et ensuite, on aura donc le petit autocollant, mais ça, je vais le décoller après. Alors, je viens tamponner. Zou. Plein d'amour. Comme ceci. Voilà ma petite étiquette. C'est parti. Et je viens le tamponner directement, puisqu'elle est déjà toute prête découpée. On va essayer de centrer. Hop là. Voilà. C'est top, regardez. Du plus bel effet. Tout simple. Nickel. Alors. Hop, je vais venir coller ma colle. Hop, l'ananas. Hop, tout simplement. Comme ceci. Vous avez vu la taille de l'ananas par rapport à la carte? Extraordinaire. En plus, il est tout brillant. Un vrai bonheur. Vous voyez? Comme ça brille, c'est top. Ok, donc ça c'est collé, j'ai perdu le bouchon de ma colle. Voilà, je la garde à portée de main. Je viens ensuite décoller donc le petit rectangle noir. Hop. On n'a même pas besoin d'utiliser de colle, c'est quand même top, hein. Voilà, je viens le disposer. On essaye de le mettre à peu près droit quand même. Voilà, nickel. Je vais venir coller mon étiquette avec les mini dimensionnelles. L'étiquette, voilà. Vous voyez, hein, les débutantes, vous avez vraiment tout, hein. Il vous suffit d'avoir un petit peu de colle chez vous. Et puis c'est tout, en fait. Sinon, tout le reste est fourni. Je retire la petite protection qui reste collée à mon doigt, bien sûr. Hop, voilà, comme ceci. Et je viens maintenant la coller un petit peu en décalé. Voilà. Ben, on a presque fini. Et maintenant, je vais venir positionner mes petits gemmes qui sont autocollants, hein, ceux-là. Donc, du coup, même pas besoin de, comment dirais-je, de s'agacer à les coller avec de la colle, etc. Ils sont déjà pré-collés. Hop là, un petit ici. Vous pouvez mettre des gros, des petits, hein, là. Faites-vous plaisir. Non, je vais plutôt mettre un petit, tiens. Hop. J'essaye de reproduire au maximum, hein, ce qu'on voit sur l'image pour que vous vous rendiez vraiment compte. Je vais mettre le plus grand. Ici, c'est un grand. Oh oui, c'est un grand. Hop, juste au-dessus. Et un petit dernier sur le bas. C'est quand même top quand c'est autocollant. C'est vraiment moins galère à poser. Et voilà. Alors, regardez. Et voilà, une super carte. Toute simple. Très lumineuse, très gaie. Et vous avez vu, j'ai mis combien de temps à la faire? 2 minutes? Ouais, 2 minutes, ça doit être à peu près ça. Là, en plus, sur ce genre d'étiquette, vous avez la place, je suis sûre, vous avez chez vous un ou deux petits tampons, par exemple, bon anniversaire. Donc ça, nickel. Vous avez vu? Voilà, est-ce qu'elle vous plaît? Trop rapide, hein? Vraiment trop rapide. Vraiment nickel. Nickel. On en fait une deuxième? Allez, je vous fais la deuxième. Je vous fais celle-là, la plus rapide, là. Mes cartes, mes bases de cartes. Harmonie, harmonie. Alors là, ah bah, sont là. Je perds la boule, mes amis, je perds la boule. Ouais, c'est, vous avez vu? Super rapide, hein? Et puis, c'est un super rendu en plus, hein?
Allez, on part sur la deuxième. On part sur la deuxième. Là, c'est pareil. Je pense que ça va être encore plus rapide. Allez, on plie la carte. Florence, ça vous plaît? C'est super. Marie-Thérèse aussi. C'est génial. Ici, il nous faut le die-cut du soleil. Si je prenais celui que j'ai déjà entamé, ce serait probablement une judicieuse idée. Voilà. Alors, vous voyez, ça se découpe super facilement en plus. Hop. Donc, on va venir le positionner ici, mais avant. Sylvie, vous arrivez à la fin, mais c'est pas grave, je vais laisser la vidéo de toute façon, donc vous pouvez la regarder tranquillement. Je suis en train de vous réaliser une des petites cartes. Oui, j'en fais une deuxième. Muriel, vous adorez les ananas? Ben, ça tombe parfaitement bien. Hop, alors, on vient coller le petit rectangle autocollant qui ne nécessite pas de colle directement sur la carte, comme ceci. Je vais prendre la petite étiquette qui est ici. Voilà. Sur l'exemple, il est utilisé le hello. J'ai toujours un super accent anglais, n'est-ce pas? Hop. Donc, nous allons prendre le même, qui est donc bonjour en français. Comme ceci, je le dispose sur mon bloc. Essayez de le disposer droit. Voilà. Je vais venir ancrer avec mon Stampin' Post fourni dans le kit. Voilà. Je referme. Ça m'évitera de mettre les doigts dedans. Je viens tamponner. Alors, sur cet exemple, vous avez vu, l'étiquette viendra ici et le soleil viendra par-dessus. Je vais donc tout naturellement venir tamponner mon bonjour un petit peu plus à droite et ne pas la centrer. Une préférence pour les dorés, Pauline. Pas de problème. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Hop. Je viens tamponner le bonjour. J'ai pas appuyé assez fort. Mais c'est pas grave, je pourrais le rattraper avec mon petit feutre. Voilà, je vais venir la coller directement. Un petit peu de colle. Hop, mon tube est neuf, alors du coup il sort bien. Comme ceci, je viens disposer donc mon étiquette un petit peu en décalé. Alors voilà, si j'avais... Ouh, bah j'ai fait un gros... Cochonnerie. J'ai fait des bavures. Bon, vous m'en voudrez pas, c'est pas grave. Si j'avais utilisé mon Stamparatus, j'aurais pu réancrer dessus sans un fiche-partout, ça aurait été drôlement mieux. Et je viens maintenant coller mon soleil qui va donner toute sa dimension à la carte. Si je retrouve, voilà, mes petits dimensionnels ici. Là, ici, vous en avez des tout petits, mais si chez vous, vous en avez des plus grands. Le soleil est tellement grand, n'hésitez pas à en mettre de ceux de la taille au-dessus. Voilà, je viens les coller directement. Hop. Bon, si jamais vous avez un pépin comme il vient de m'arriver sur votre étiquette, par exemple, vous pouvez très bien réancrer une petite étiquette, rajouter un petit truc dessus, c'est toujours, toujours possible. Plein de bisous, Laurence, à bientôt! Hop, et je viens coller mon soleil. Voilà. On va rajouter quelques petits gemmes sur le dessus de la carte pour lui donner encore un peu plus de brillant. Voilà. Zou. Des petits en dessous. Encore une fois, vous avez vu très, très, très rapide. Et voilà, allez, une petite dernière sur le bas. Et voilà, vous avez vu en 5 minutes à peu près, allez, 5 minutes, nous avons réalisé deux super cartes, hyper classe, hyper brillantes,
pleine de couleurs et de soleil. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein, très sympa, tout est fourni dedans. Vous avez vraiment de quoi vous éclater, là, pour le coup. Voilà. Bon, et ben écoutez, je pense que vous avez compris le principe de ce kit, donc boîte ensoleillée. Une petite chose aussi que je voulais vous dire, la carte, là, la boîte, pardon. Vous pouvez parfaitement réutiliser le papier de soie, décorer l'intérieur de la carte et offrir des bonbons, des chocolats, des petits gâteaux, peu importe quoi en fait, mais vous pouvez tout à fait la réutiliser, la décorer à l'extérieur et à l'intérieur, faire une petite carte à glisser dedans pour transmettre un petit mot. Et puis voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour offrir plein de petites choses dedans. Donc tout s'utilise finalement, tout ce qui est dans le kit est utilisable. Vous pouvez aussi acheter en plus, si vous voulez, des petites boîtes un peu plus petites que ça, qui sont fournies donc dans le catalogue, pareil, pour faire des petits cadeaux. Ça peut vraiment être super sympa. Voilà pour la présentation de ce kit boîte ensoleillée que vous pouvez commander donc sur la boutique en ligne. Vous avez le lien sur ma page. Si ça vous dit de vous lancer, eh bien écoutez, ça sera avec plaisir. J'en profite parce que je vous ai avec moi juste pour vous rappeler donc le live créatif cette fois de mercredi à 14h, donc sur cette même page. Et cette fois, nous réaliserons une carte W, je vous l'ai présentée samedi. Voilà, donc carte W avec la collection Pivoine Pensive. Encore une fois, un petit pliage sympa, rapide, tout simple, un petit effet plutôt pas mal. Voilà, donc la carte W qu'on réalisera ensemble ce mercredi à 14h sur ma page Harmony Scrap. Avec plaisir, Pauline. Voilà, mesdames et messieurs, peut-être s'il y en a parmi nous aujourd'hui. Allez, je vous retourne pour vous faire un petit coucou. Là. Les gros plans, j'adore. Voilà, on se retrouve de face. Eh bien, voilà. J'espère que cette petite présentation de la boîte ensoleillée vous a plu, vous a donné des envies de création. Et puis voilà. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Prenez soin de vous. Pauline, si vous n'êtes pas dispo, comme d'habitude, il y aura le replay dès qu'il sera chargé. Selon le temps, la météo, ça prend plus ou moins de temps. Mais de toute façon, dès le soir même ou dès le lendemain matin, midi au plus tard, vous retrouvez le replay des lives donc sur ma page Harmony Scrap, sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Puis vous retrouvez toutes les mesures du projet qu'on a réalisé ensemble. Donc, pas de problème si vous ne pouvez pas suivre en live, bien sûr. Bon après-midi, Pauline, du coup. Sylvie, bah pareil, même principe. Muriel, toujours présente, fidèle au poste. Je sais que Laurence nous rejoindra aussi. Florence, je suis super contente que ça vous ait plu. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente, de m'avoir suivie, d'avoir partagé avec moi l'ouverture de ce kit de boîte ensoleillée. Attention, par contre, il est en édition limitée, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Si ça vous intéresse, contactez-moi ou allez directement sur ma boutique en ligne et le lien est sur ma page. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à mercredi. Bye bye.